Et de l'hôtel de ville de Wascal, donc où nous avons eu la première réaction de celle qui a gagné ce soir, la mairie Stéphanie Ducret. Nous avons fait donc quelques mètres pour rejoindre le local de campagne de Gérard Vignolle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes battu, Gérard Vignolle, après 37 années de mandat. Qu'est-ce qui domine ce soir? C'est beaucoup de déceptions? C'est un espoir que Wascal conserve son dynamisme. Et vous savez, je crois que la société a bien changé. Quand j'entends les thèmes de cette campagne, moi, je me souviens d'un président qui disait moi, président, moi, président, moi, président. Moi, j'ai eu une campagne municipale où une dame est venue me dire moi, maire, moi, maire, moi, maire. J'espère simplement que pour Wascal, ça sera plus heureux que ce que nous connaissons pour la France. Non, Mais cette défaite simplement. analysée à chaud, qu'est-ce qui vous a manqué, ou en tout cas, qu'est-ce qui a manqué donc pour avoir un mandat de plus? C'est peut-être le mandat de trop, les affaires que vous payez? Qu'est-ce qui est... Aussi bien, je n'ai pas à répondre à cette question. La sanction est tombée, j'ai perdu. Donc, moi, simplement, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'était une campagne totalement différente des 17 campagnes que j'ai connues à Wascal et que j'ai gagnées. Une campagne délétère, absolument basée sur des paroles absolument injustifiées, des promesses intenables. Donc, je dis bonne chance à ceux qui ont choisi Madame Ducret. Et puis, on verra. Maintenant, le temps nous donnera certainement raison. Et le temps, l'avenir, pour vous, c'est quoi? C'est l'opposition? C'est d'arrêter? Moi, c'est la vie. C'est la vie et c'est la passion. C'est mon amour pour Wascal. Alors c'est de profiter de la vie pour faire autre chose ou c'est de continuer à faire de la politique? Oh, je ne pourrais jamais m'empêcher de faire de la politique, mais franchement, le seul amour que j'ai eu, le seul amour, c'est Wascal, c'est ma ville, c'est ma famille. Ça doit être du coup d'autant plus dur peut-être pour vous de voir un désamour aujourd'hui. Et quelle chance maintenant d'être un homme heureux, un homme libre, qui peut avoir du temps pour faire ce qu'il veut faire avec sa famille profonde. Et vous en faites pas, mon amour pour Pascal reste intact. Merci Gérard Vignolle d'avoir répondu donc à ces quelques questions. Le maire sortant de Wascal, hein, battu avec cette défaite et la victoire à Wascal ce soir de Stéphanie Ducret. Merci donc à vous Idil pour d'autres réactions.